Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Sakupichu dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Fait que aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la suite, alors c'est parti! La suite en enregistrement. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté que quand on avait réussi à battre le boss qui ressemblait à une mini tentacule, et que ensuite, après, Siton, excusez, est devenu le roi. Et oui, son père a décidé de dire à Siton qu'il était temps qu'il lui succède, fait que Siton a fait un discours. Et on a été là justement pour le discours. Et là maintenant, on doit essayer de continuer à rechercher la princesse Zelda. Alors, c'est parti, on va s'en aller. Honnêtement, c'était vraiment super, j'ai vraiment adoré. Là, on s'en va à notre prochaine destination. Grâce au pouvoir du serment, vous pouvez maintenant invoquer un avatar de Sidon. Ah, bah c'est génial, c'est comme les deux autres. Bon, allons-y. Je pense que notre prochaine destination, je sais où il faut aller. C'est où est-ce qu'elle est, Gerudo? Et c'est ici qu'on doit aller. On va prendre un raccourci, je pense. Non, pas ici. Ça. Désolée pour le petit bruit. On y va. Pas grand chose ici. À part des fleurs radieuses qui pourraient être utiles.
On est un peu loin de la destination, parce qu'on doit aller là-bas, mais on va y arriver. Qu'on est arrivé? Les autres, je les aime pas. Il fera mieux de se dépêcher avant de perdre toute notre vie. Oh mais, j'ai une idée. Voilà. Je sais que c'est pas beaucoup une minute, mais au moins c'est mieux qu'à rien. On n'est pas très loin. Au moins, grâce à ça, la chaleur s'est arrêtée. J'étais en train d'y redescendre alors que c'est monter que je veux faire. Ugh.
J'y retourne. Ikasi? Bon, pour quelle raison il est cassé, là? Y'a pas personne pour s'en occuper? Ça a l'air connu. Bon. Je me souviens de ça, dans Brain of the Wild. Oh, ça fait vraiment longtemps. Waouh, ça me fait tout drôle de revenir ici. Je vais essayer de voir si je peux trouver des choses utiles. Tu crois faire quoi là? Ça, c'est seulement pour les guerrières avec ces brumes de sable. On a du mal à s'imprévisionner. Alors désolé, mais si tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à la boutique. Oh, qu'est-ce qui est cute le chien? Je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose contre la chaleur. Je sais pas si là-dedans on peut trouver quelque chose. Ah. Ici peut-être? Non plus, à part des lézards. Absolument rien. Waouh.
ça. Waouh, 450 rubis. Bon bah. Wasak? Je vends des vêtements à la mode, tout droit venus de la cité Jirido. Notamment la parure des saplons que tu vois là était avant ça presque impossible à obtenir pour un voix. Les vêtements que je propose sont bien sûr d'excellente qualité, mais en plus, ils aident à supporter la chaleur. Si tu as déjà certains articles, dis-toi que ça ne peut pas faire de mal de les avoir aussi dans un autre coloris. Avec plaisir. Il faut absolument que je l'aie. Alors. Bon, pas choix. C'est pas beaucoup. Voilà, j'en ai assez. Changer la teinture de ses vêtements, c'est tout à fait normal pour les veilles qui s'aventurent hors de la cité. Tu peux faire teindre tes habits au levant à illimite à l'extrémité et Tyrul. Avant, c'était un petit village tranquille. Mais maintenant, c'est devenu un endroit branché. Certains qualifient même le village de haut lieu de la mode. Autre chose? Non. C'est le dernier article qui me reste si tu la jettes. Je te dirai un secret bien gardé, même les Gerudo n'en savent rien. Ouais, je vais l'acheter. Allez. Pour te remercier d'avoir acheté mon dernier article, je vais te révéler mon secret comme promis. La parure que je t'ai vendue fait partie d'un site. Il existe aussi un pantalon, des saplons et une épaulière des saplons. Mais si tu ne trouveras que dans un endroit un peu particulier, un club secret de la cité Guéridon. Et celui-ci se trouve derrière la boutique Élégance Gerudo. Non! Je viens de me souvenir que les voix n'ont pas le droit d'entrer dans la cité Gerudo. Désolée, oublie ce que je t'ai dit. Eh ben, pas moi. Allez. Avec ça, je pourrais résister à la chaleur. Bon. On y va.
froid. Encore à côté. Si je ne m'améliore pas, je ne pourrai pas protéger mon peuple. Link ? Ça pour une surprise. Tu es toujours là où on ne t'attend pas. Cela dit, j'avoue que tu n'aurais pas pu mieux tomber. Comment ça? Oh? Le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs et la princesse Zelda a disparu. Et si tu es venu, c'est dans l'espoir de découvrir ce qui lui est arrivé, j'imagine. Je compatis très sincèrement, Link. J'ai beaucoup d'amitié pour la princesse, moi aussi, et je t'aiderai de mon mieux. Mais d'abord, il faut résoudre au plus vite le problème des Gerudo. Cela n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici. Cette brume de sable s'est répandue sur la région au moment même où le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs. En un instant, elle s'était infiltrée partout jusque dans la cité. Portant avec elle des nuées de monstres étranges, des gibdos, comme nous les appelons. Ils se déplacent lentement, mais ils sont peu sensibles aux attaques physiques. Nous l'avons appris à nos dépens. Est-ce que tu m'as vu m'entraîner? Mon but, c'est de réussir à frapper ce mannequin avec ma foudre. Je pense qu'elle pourrait être efficace contre les Gibdos. Mais hélas, il me reste des progrès à faire pour maîtriser cette technique. Je ne vise pas encore aussi bien qu'il le faudrait. Je dois pourtant y parvenir au plus vite si nous voulons être en mesure de faire face aux Gibdos. Et il faut à tout prix découvrir l'origine de la brume de sable. Ensuite, je te prêterai main forte pour retrouver Zelda. En attendant, tu veux bien m'aider à m'entraîner? Essaye de tirer une flèche sur le mannequin. Elle me servira à canaliser ma foudre. Je vais juste me... Oh, la température, elle doit être encore froide. Ouais, elle est encore froide. Ok. Bon. Okay.
très bien. C'est drôlement efficace. On continue, tu veux bien? Essaye de toucher les trois mannequins et nous verrons si nous arrivons à les électrocuter tout en même temps. Pour ça, plutôt que les cibler individuellement, il vaut mieux viser au centre des trois mannequins, là où ce rocher sort de terre. Mais juste une chose, plus la cible est éloignée, plus j'ai besoin de temps pour préparer ma foudre, ne l'oublie pas. J'y vais. Ok. Le problème, c'est que tu as pulvérisé ma flèche. Alors du coup, je n'ai plus de flèche. Comment est-ce que j'en perds sans la flèche? Peut-être. J'aurais dû m'acheter des flèches. C'est ce que j'aurais dû faire. Parce que là, je suis mal pris. Je vois s'il y en a quelque part. Oh my god, qu'est-ce qu'ils sont laids? C'est pas évident de trouver des flèches. Je pense que j'aurai pas le choix de m'arrêter au bazar. Ouais, j'aurai pas le choix de m'arrêter au bazar et de revenir. Ah moi si, peut-être le petit coffre petit qui a des flèches. Une arc.
espérer des flèches et non une arc. Ah oh, bah peut-être. Non, c'est... C'est flèche. Youpi. Ok. Terminé. Très bien. Je commence à prendre le coup de main. Ça nous sera très utile contre les Jidos. Nous les battrons bien plus facilement désormais. Oh. Merci beaucoup pour ton aide, Link. Tu as entendu? Ce n'était pas le bruit de la brume de sable. D'où ça venait à ton avis? Un message urgent. Une troupe entière de Jidos marche sur le bazar à sec. Bétera est déjà en route pour assurer la défense. Bétera, très bien, je te remercie. Nous devons nous rendre au bazar à sec sans perdre une seconde, Link. Je suis désolée de t'entraîner dans ce combat, mais j'ai vraiment besoin de toi. Tu sais où se trouve le bazar, n'est-ce pas? C'est l'oasis situé au nord-est de la cité Gerudo. Il est temps de montrer aux Jidos le résultat de nos efforts. Ouais, on va s'y rendre. Oula! Ok. Bon, on s'y rend. Ne laissez pas les Jidos s'approcher. Ah, si ça continue comme ça. Désolée de vous avoir fait attendre. Nous allons les anéantir jusqu'au dernier. Allons-y, suivez-moi. Link, je compte sur toi. Comptez sur moi pour protéger notre chef et anéantir ces monstres. Bétera, heureusement que tu étais là pour les tenir en respect jusqu'à notre arrivée. Les Guido craignent l'électricité, nous en sommes sûrs désormais. Nous en tirerons le meilleur parti. Oh. Hein? Zelda? Impossible. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce qui a provoqué ces tornades autour de la cité? Et pourquoi Zelda marchait-elle dans cette direction? Bettera, nous rentrons immédiatement. Link, Bettera et moi partons devant. Nous t'attendrons à la cité. Ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de sable que d'habitude. Bon, fait que je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Fait que je tiens à dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, ça nous fera super plaisir. Si vous avez des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à parler de la chaîne de Sacco Picchio. Oups, pardon. Quand vous partagez la chaîne de Sacco Picchio, n'oubliez pas de préciser que je fais des lives ou des enregistrements, que ce soit Nintendo, PlayStation ou Steam. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se dit à tous et à tous, à plus !